Bienvenue, merci de prendre le temps dans votre dans vos agendas chargés. Donc quelques tendances de la de la Silicon Valley. Première tendance qui est euh, qui est assez intéressante, c'est euh, ça peut vous paraître très loin de la technologie, mais euh, c'est euh, tout ce qui est mindfulness. Je ne sais pas comment on le dit en français. Je m'excuse pour mon franglais, mais depuis six ans dans la Silicon Valley, c'est euh, c'est c'est naturel. Pour moi, de ne plus trouver les mots toujours, et, euh, et la méditation. C'est un, un, une tendance assez importante avec une application qui s'appelle Headspace, dont on aura les deux créateurs à le web, euh, qui est euh, une application dans laquelle vous, vous lancez ça sur votre euh, téléphone mobile. Et euh, c'est tout simple, en fait, c'est euh, une méditation guidée. Et dans la, dans la Silicon Valley, c'est très euh, tendance euh, que les, euh, les CEOs euh, et les salariés euh, se, donc, méditent. Moi, je le fais moi-même depuis six mois. Et je sais que ce n'est pas très européen euh, ou pas très à la mode encore ici. Mais euh, vous avez des gens comme Evan Williams, ce créateur de Twitter et de Medium maintenant, euh, qui fait des sessions de méditation au bureau avec tous les salariés tous les matins à 10h30 du matin. Et, euh, et donc c'est très très, très euh, à la mode. Et puis euh, euh, vous avez les deux créateurs de cette application qui seront là. Euh, ils ont plusieurs millions d'utilisateurs. Ils ont une équipe de 15 personnes, je crois, de mémoire et euh, une croissance incroyable. Donc une vraie tendance de fond qui est en train de, de se développer pour moi autour de la méditation. Salut Geneviève. Deuxième application qui est dans cette tendance euh, euh, mindfulness, qui euh, s'appelle Lift, qui est aussi dont Evan Williams... Euh, est aussi à l'origine et un des investisseurs, euh, qui, qui est une sorte de to-do list à l'envers, c'est-à-dire vous avez euh, dans Lyft ce que vous, que vous dites, ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, et non pas ce que votre boîte mail vous impose, euh, c'est vraiment ce que vous décidez de faire. Donc par exemple, vous décidez de, euh, de faire du, de l'exercice et d'être de, 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 à inbox zéro, et donc vous cochez une fois que vous avez fait ce que vous voulez faire. Donc c'est complètement, euh, complètement à l'envers. C'est une to-do list de ce que vous aimeriez faire et vous le cochez en fonction de ça. Donc c'est aussi dans la même veine parce qu'on euh, a tous tendance à être beaucoup trop pris par les, euh, le flux constant d'informations qui vient de nos, euh, de nos, de nos appareils. Et, et ici, ça permet un peu de reprendre le contrôle sur soi en fait. Il y a toute une tendance aussi intéressante autour de la création de communautés. Euh, qui sont des communautés physiques. Et donc, les communautés en ligne, ce n'est pas nouveau, mais les communautés physiques, c'est nouveau, avec notamment euh, Tony sier qui, a, qui est à l'origine de Zappos et qui a créé Downtown Las Vegas. Donc, c'est euh, une ville qu'il est en train de créer, dans laquelle il a investi, de mémoire, 400 millions de dollars de ses sous personnels, puisqu'il a vendu un milliard euh, Zappos à Amazon, donc il peut le faire. Et il crée un, une ville dans Downtown Las Vegas, pas sur le strip, mais à côté, dans lequel son espoir, c'est que les startups s'implantent physiquement, vivent ensemble et, euh, et puissent échanger entre elles. Euh, il investit dans les startups si elles s'installent physiquement à Vegas. Donc il essaie de faire venir des startups du monde entier. Des, il y a un incubateur, et donc ça c'est une, une première initiative qui montre que les... Une tendance qui montre que euh, les... Euh, euh, les com des communautés physiques se forment dans lequel, en fait, c'est un peu l'idée, c'est est un peu, euh, euh, est, est, est un peu euh, moi, j'y adhère pas totalement forcément, mais c'est une tendance dans lequel euh, ils essaient de vivre ensemble. En fait, il euh, y en a un autre à San Francisco, complètement underground aussi, dans lequel vous, vous allez vous installer vous-même, c'est-à-dire vous, vous déménagez, vous laissez votre maison et vous avez un, un c'est une sorte d'incubateur dans lequel les gens vivent ensemble. Et euh, euh, le, le seul critère, c'est d'avoir déjà créé plusieurs entreprises. Donc ce sont des gens qui sont plutôt successful, des créateurs. Des, leur, leur idée, c'est de dire les gens qui font les TED Talks vivent ensemble. Et il y a une vingtaine de gens comme ça qui, sont, euh, qui vivent ensemble à San Francisco sur ce mode-là, euh, mode complètement caché, sans qu'il n'y ait aucun, euh, aucune publicité autour ni aucun média. Vous connaissez probablement Burning Man, la mo moitié de la Silicon Valley s'y trouve tous les ans aussi. Euh, avec là aussi une ville éphémère, 60 000 personnes pendant une semaine dans le désert. Euh, C'est devenu, euh, les aspects business sont assez intéressants puisque vous y croisez Eric Schmidt ou les créateurs de Google ou Zuckerberg qui y vient tous les ans et qui euh, euh, vivent pendant une semaine sans argent, sans marketing, sans, euh, euh, sans connexion Internet et se déconnectent. Même chose à Summit, vous me voyez là à mon bureau dans la forêt <laughs> euh, où je faisais ce qu'on appelle des « office hours ». Même chose, à nouveau, cette même tendance, pendant une semaine, 1000 entrepreneurs se retrouvent dans une montagne en Utah et, euh, euh, et vivent ensemble. Et donc c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois, il y a un point commun. Autre exemple, c'est Digital Detox. Il y a un point commun, vous voyez ici, of the grid. Donc en général, pas officiel, pas de boss, pas d'Internet, pas de cell phone, pas d'heure et pas de travail. Et donc ça, ce sont des week-ends où les, les, les gens vont. Et sont entièrement déconnectés. Euh, et c'est une, pour moi, une, une tendance de fond qui, qui, qui montre le, euh, qui le, qui est le, que l'opposé en fait de, de, de du bombardement de, des mails, des tweets, des Facebook, euh, pour arriver à calmer son, son, cerveau, on se déconnecte complètement. Donc ça, ce sont des, si vous googlez, vous allez trouver, ce sont des week-ends euh, qui sont organisés. Voilà. Ça, c'était la page. Euh, euh, non, enfin moins, euh, comment dire, moins moins euh, lié à des technologies, même s'il y a une app qui s'appelle Headspace ou Lyft qui accompagne ce mouvement-là. Et je connais à peu près trois ou 4 startups qui sont en train de se lancer sur, le, sur la méditation. Donc c'est euh, euh, assez intéressant. Ensuite, vous avez une autre grande tendance qui est de réduire la, ce que j'appelle réduire la friction, c'est-à-dire tout ce que vous faites tous les jours, vous vous apercevez qu'on pourrait le faire beaucoup plus facilement avec un mobile, avec une application. Euh, et donc le, le, un des exemples c'est Uber qui, dont, dont Travis Kalanick a eu l'idée à le web euh, on en est très très fier puisque c'est une entreprise qui vaut 3 milliards et demi aujourd'hui j'aurais dû y investir au lieu de les investir seulement à parler à le web mais c'est comme ça et Travis était coincé dans la neige à Paris il y a 4 ans, 2008 euh, et 2000, de mémoire 2008 ou 2009 et euh, si vous vous souvenez il y a eu beaucoup de neige à Paris en tout cas les, les participants de le web s'en souviennent euh, il était coincé, il trouvait pas de taxi. Il était avec son iPhone, et il s'est dit mais est-ce que je pourrais pas juste être sur mon iPhone et commander une voiture, la voir arriver, et euh, quand je paye, je n'ai pas besoin de sortir mon, mon, mon portefeuille. Et donc tout ça c'est aujourd'hui réalité. Ça vaut 3,5 millions et euh, demi, c'est le montant de la dernière levée de fonds. Euh, et euh, quand je dis reducing friction, c'est-à-dire que vous, c'est totalement euh, par rapport à l'expérience de, de téléphoner à un taxi, évidemment, c'est euh, révolutionnaire. Et je pense que c'est une énorme tendance sur l'avenir. C'est uniquement le début. Tout ce, qui est, euh, tout ce qui vous pose des problèmes ou prend du temps va juste disparaître avec des apps qui vont vous, vous permettre de le, de le faire beaucoup plus vite. Il y en a un autre qui est européen, qui s'appelle Y-Plan, euh, qui parlait le Web Londres d'ailleurs. Uber va revenir cette année. On va avoir Travis euh, sur scène. Euh, euh, Yplan, plan qui est euh, la même, le même principe mais pour les sorties le soir, c'est-à-dire que Why plan pourquoi planifier Vous êtes sur votre iPhone et vous dites euh, ils sont à Londres et à New York pour l'instant, ils sont euh, vous dites euh, qu'est-ce qu qu que je peux faire ce soir Donc les restos, les, euh, euh, les sorties en boîte, les euh, théâtres, tout ce qui est sorti euh, comme Uber même expérience, faut regarder ce qui se passe, vous tapez avec votre doigt et ça y est c'est fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Il ne faut pas payer, acheter un ticket, absolument rien d'autre. Ça marche très, très bien. C'est une sorte de lastminute.com, si vous voulez, euh, nouvelle génération mobile. Hotel Tonight, que j'ai euh, moi-même utilisé euh, à plusieurs reprises. Euh, même principe, c'est pour l'anecdote, le, le créateur qui est venu à le web plusieurs fois. Euh, quand il l'a créé, j'ai un peu regardé ça comme une anecdote en disant c'est un probablement une petite application. Ils ont levé, je crois, 40 millions de dollars récemment. Donc, même expérience, reducing friction. Vous êtes sur votre téléphone, vous voulez un hôtel, il est midi. La plupart des hôtels dans Paris, beaucoup ont des chambres libres. Et en fait, ils sont connectés en temps réel à l'inventaire des chambres. Et vous avez un moins 50 parce que c'est dernière minute. Et, euh, et l'expérience, c'est très très aisée aussi, puisque vous choisissez un design luxe ou pas cher, vous tapez avec votre doigt et ça y est, c'est fait. Euh, y a pas de, quand vous arrivez là-bas, vous n'avez même pas besoin de donner votre carte de, de crédit. Donc c est, c est, si vous laissez une autre, euh, ces trois applications pour moi sont symboliques d'une tendance qui, qui sont des applications qui sont belles. Le design, je vais y revenir, très important, c'est magnifique, c'est beau, on est, est, on a envie de rester dedans. Elles, elles réduisent donc la, une, une friction particulière. Elles sont euh, extrêmement... Euh, euh, le contenu est très, très, très évolué, curated, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, très qualitatif. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et, euh, et puis, vous n'avez pas besoin de sortir votre euh, moyen de paiement. Tout est intégré dedans. Et pour moi, c'est ces trois applications qui sont symboliques d'un mouvement. Vous allez en avoir des centaines, je pense qui sont un, le, le moins de friction, deux, mobile, évidemment, avec un des thèmes de, 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 il y a quelques années social, local mobile, solomo, et puis euh, euh, complètement euh, intégré dans, 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 dans votre vie. Ah, et pardon, temps réel. C'est tout en temps réel. Une autre tendance importante, c'est l'éducation, bien sûr, en ligne. Euh, là je vais aller vite, mais, parce que vous les connaissez, mais les, 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 les contenus dans les dix prochaines années de l'éducation et le format avec lequel on apprend est en train d'évoluer constamment. Euh, avant c'était un petit marché, c'est en train de devenir un marché euh, colossal en ligne, euh, avec plusieurs, euh, plusieurs sites qui peuvent vous intéresser. Coursera qui est, euh, les, sont les universités elles-mêmes, le contenu des universités qui vont en ligne. Code Academy qui est là un pur player où vous, vous apprenez à coder qui a levé des fonds donc vous allez dessus et vous savez que le, le salaire moyen d'un ingénieur à San Francisco c'est 140 000 dollars par an J'en voyais un euh, il y a une semaine qui vient d'être recruté chez Facebook son package de, il a un an d'expérience son package en, en recruté chez Facebook c'est 200 000 dollars un an d'expérience donc en fait en gros si vous avez des ados ne pas leur apprendre à coder c'est juste pas c'est juste pas une bonne idée parce qu'il y a une telle demande sur le marché qu'il y, y a beaucoup plus de, de demandeurs d'emploi euh, que de. Pardon, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et donc on a des salaires qui sont complètement euh, incroyables. En gros, les salaires de sortie des meilleures écoles françaises, ben, si vous êtes juste codeur dans la Silicon Valley, c'est ce que vous avez. Donc il y a Code Academy qui cartonne, qui a levé des fonds. Code Academy aussi, Yuda City, je, je, je voulais juste mettre des, des exemples. Linda, qui est très intéressant aussi, sur lequel vous pouvez apprendre à peu près n'importe quel logiciel sur, euh, en ligne. Donc, par exemple, moi, j'essaie je, d'apprendre la photo un peu plus et je me suis mis à Lightroom et je suis les cours là-dessus, c'est extraordinaire. Deuxi une autre tendance, c'est le, le mouvement des. Comment on dit ça en français des maker <laughs> Les makers, voilà. Les, il suffit de mettre les devant et ça marche, c'est comme le web. Et, euh, et donc là, vous avez plusieurs exemples. Ce qui est intéressant à voir sur ce, ce mouvement-là, c'est qu'en fait, si vous prenez un peu de recul, vous avez eu le web plat euh, 1.0, comme certains disaient, euh, avec les pages web. Ensuite, vous avez eu le web social, euh, dans les grandes tendances des dix dernières années. Ensuite, le social local mobile, donc on a mis tout ça, on a commencé à le mettre dans le mobile. Euh, et ça, c'est en cours, mais c'est encore que le début. Et il y a un nouveau euh, mouvement qui est en train de, de faire en sorte que le logiciel est en train d'aller dans les objets. Donc partout, tout ce que vous touchez autour de vous, au lieu d'avoir des, des ordinateurs dans des ordinateurs et des téléphones, vont être partout. Je lisais hier, un, un, il y avait une, un article sur Google qui vient de déposer un brevet sur un, un collier connecté. Euh, vous avez vu ça. Et, et donc partout, cette nouvelle tendance pour les dix prochaines années, c'est que tout ce que vous touchez va avoir un, du software et un ordinateur à l'intérieur. Et ça, c'est fantastique. C'est effrayant aussi, mais c'est fantastique. Euh, donc on les porte, on va en parler, mais puis tout ce qu'on touche. Euh, donc les Maker Movement, il y a une bonne société qui est euh, euh, celle de Chris Anderson, Do It Yourself Drones, euh, qui est euh, donc sur lequel vous... Quand on dit Maker Movement, il a eu l'idée avec son fils en commençant à construire des drones chez lui. Chez lui. Et il s'est aperçu que c'était compliqué, que ça n'existait pas. Et il a créé une société où vous les faites vous-même. Euh, et sans savoir du tout quel marché allait, allait être celui des drones privés, euh, et aujourd'hui, son, son marché de numéro un, il n'arrive pas à fournir, c'est l'agriculture. C'est-à-dire que ce sont des agriculteurs, qui, des productions agricoles qui achètent des drones pour surveiller euh, les, euh, notamment ce qui se passe, euh, évidemment, et dans, les, dans, les, dans, les, euh, dans leur production. Et, euh, et donc, il n'arrive pas à fournir. Euh, aujourd'hui, il a trop de demandes. Vous avez évidemment l'impression 3D. J'ai mis MakerBot, mais il y a 4 ou 5 sociétés autour de ça. Euh, comme vous le savez, on, peut, on va jusqu'à imprimer des maisons euh, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a, euh, il y a même un site de plans open source pour les maisons. Donc vous pouvez télécharger une maison, l'imprimer. Euh, ils ont sorti des imprimantes 3D qui font la taille de cette pièce. Vous imprimez des murs et vous avez une maison. Et d'ailleurs, euh, sur cette, cette source open source de, de 3D, vous avez un. Euh, des plans de maisons qui sont euh, dans l'objectif est de, de, de se développer pour aider les favelas et les, euh, tout ce qui est très, très 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 bas marché, qui ont très peu d'argent euh, et on pense que ça va révolutionner le logement parce que vous allez pouvoir télécharger une maison et la créer pour quasiment rien. Ça c'est assez fantastique. De l'art virtuel, c'est Virtox qu'on aura à le web euh, qui, euh, qui fait du, de l'art en 3D, c'est absolument magnifique et tout ça est imprimé euh, sur des imprimantes 3D. Ça, c'est les maisons. Une, euh, vous avez ici, c est, c est, ça, c'est Amsterdam, il y a plusieurs, plusieurs exemples, mais euh, une maison 3D entièrement imprimée dans une, sur une imprimante 3D. Dans le, le mouvement des objets connectés, ou de tout ce qui est autour de nous qui va être connecté, vous avez évidemment la maison connectée, qui est toujours une très grande tendance avec Nest. Euh, et Tony Fadel revient, il était là l'année année dernière, mais il revient cette année. Euh, un énorme succès, le thermostat Nest. Et euh, vous avez le. Et donc, ils viennent de lancer aussi des, des détecteurs incendie connectés. Euh, qui est, euh, il, en, en fait, il est en train de lancer des produits pour toute la maison. Vous avez SmartThings qui vient d'annoncer 13 millions de dollars de levée de fonds qui a lancé à le web l'an dernier. Donc, là, vous pouvez brancher n'importe quoi en fait. Tout, tout ce qui est chez vous, vous pouvez le brancher en, en Wi-Fi. Euh, DoorBot qui est dans un garage littéralement à Los Angeles qui sera aussi à le web. C'est votre, votre sonnette. Donc, si on vous livre un Chronopost, euh, on, vous êtes chez vous au bureau et vous allez pouvoir voir la personne qui est en face de chez vous à la maison et puis lui parler dans votre iPhone. Il fait un peu chaud, Sybille. Tu peux voir si on peut baisser un peu la température, je sais pas. Et si euh, vous pouvez lui parler et recevoir la personne avec euh, avec Doorbot et il va, euh, euh, et, et ça vous permet de ne pas être là tout en étant là. Lockitrons, qui sont les serrures. Donc, vous pouvez être euh, à distance ici en train de parler à la personne devant votre porte et ouvrir la porte. <laughs> Pourquoi pas Mais tout le marché de loquitron c'est notamment tous les euh, Airbnb et les, euh, euh, les locations à distance, puisque là, vous pouvez ouvrir la porte. Vous avez aussi Brever, qui permet d'avoir des lieux dans lesquels on va travailler euh, et de les ouvrir à distance. Ensuite, vous avez une énorme tendance, bien sûr, c'est l'ordinateur ou le logiciel dans les euh, voitures, avec euh, Tesla, euh, qui est électrique, bien sûr, c'est ça la révolution, mais si, moi j'en ai essayé une il y a quelques semaines, c'est, vous êtes, vous êtes dans l'avenir, vous êtes assis dans, dans pour moi, le, la voiture du futur, avec un écran comme ça à l'intérieur, je ne sais pas comment c'est possible que ce soit légal d'ailleurs, parce qu'on vous embête euh, euh, en Californie si vous, ou ici, si vous textez en conduisant, mais là vous avez un écran comme ça avec tout le web dedans, donc, euh, mais bon, c'est assez intéressant. C'est fantastique parce que euh, ça vous donne le trafic en temps réel et, et ça vous donne le, évidemment les points où vous pouvez recharger la voiture et d'autres informations. La voiture euh, de Google, Self Driving. Ensuite, dans les tendances des, à nouveau des objets connectés, vous avez les objets que vous portez. Euh, donc euh, avec évidemment Google Glass, que j'ai cassé, <laughs> mais je vais, ils vont me les remplacer. Et euh, je peux vous en parler après ce que j'en pense, mais je pense qu'en gros, <laughs> pour résumer, la version actuelle, l'objet est trop gros, trop imposant et trop intrusif, mais euh, la prochaine version va être dans des lunettes standards et vous ne verrez plus la différence, et là, ça sera probablement beaucoup plus facile à porter en, en social. Moi, j'aime beaucoup les porter quand je conduis. Parce que c'est comme un avion, vous savez, vous avez le heads-up display, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de baisser les yeux pour regarder votre GPS. Ou... Et ça, c'est assez agréable d'avoir les tweets et les Facebook qui arrivent, qui arrivent. Et puis, quand je travaille, ça me fait un écran de plus, en fait. Euh, la montre Pebble, qui a, qui a aussi lancé à le web il y, a, il y a un an, qui a levé 10, 10 ou 15 millions de dollars, avec aussi Samsung et euh, euh, Google qui doivent en arriver, et qui doit, qui doit arriver aussi. Et une rumeur sur Apple, bien sûr, mais ça, c'est pas... Comme vous le savez avec Apple, on ne sait jamais. Le, euh, autre tendance, le Quantified Self, qui est toujours très très important comme tendance. Ils ont fait un carton depuis l'an dernier, euh, avec des nouvelles, euh, nouveaux devices, mais aussi bien sûr euh, Nike, qui vient de lancer une application sur l'iPhone. Vous n'avez plus besoin de, de porter quoi que ce soit sur vous euh, en utilisant une nouvelle euh, Microprocesseur de l'iPhone qui permet de sauver la batterie alors que vous vous déplacez. Donc, par exemple, mon iPhone est en train d'enregistrer tous mes mouvements là en ce moment sans, euh, sans bousiller ma batterie en, en quelques heures. Euh, Jobon et puis euh, voilà, Nike. Euh, on, a, on va avoir un T-shirt connecté qui s'appelle Home Signal à le web qui est là, qui est un T-shirt qui mesure euh, beaucoup, plus de, euh, beaucoup plus de paramètres qu'il que, que, qu n'a jamais été possible. Vos mouvements et votre. Euh, votre euh, rythme cardiaque, toute une série de choses, vous mettez ce t-shirt euh, sous vos vêtements et vous avez euh, énormément d'infos. Donc vous allez avoir ça. Autre tendance de la Silicon Valley actuellement, même si ça nous paraît tous évident, euh, c'est très important, c'est l'intelligence artificielle, donc dans les Google Glass, mais aussi dans Siri, même si ce n'est pas encore au point, les investissements d'Apple et de Google notamment avec Google Now ils sont énormes. Euh, Adriana Ahoun, qui est un, un ami et le patron de l'intelligence artificielle chez Google, et c'est très impressionnant ce qui, ce, qui, ce qui prépare. On sent que c'est le début pour l'instant, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais en tout cas sur Android, ils essaient de prévoir. Ce que vous allez faire maintenant. Donc, par exemple, si j'ai un rendez-vous avec vous, eh bien, je vais avoir un briefing sur vous avec une app comme Refresh qui peut arriver en me donnant votre bio, euh, tout ce que les vos derniers tweets, ou derniers updates. En fait, ça assiste, ça vous assiste, et c'est à mon avis une très grande tendance. Le contenu toujours, euh, avec une évolution de la manière dont on produit le contenu que vous avez vu, la vidéo avec Vine, avec Instagram vidéo. Tout ça, c'est pas nouveau, mais c'est quand même une modification profonde dans la manière dont on communique. Snapchat qui fait un carton chez, euh, chez les ados avec ces messages que vous envoyez. Les, les couleurs ne sont pas géniales, mais euh, les, vous envoyez un message et il disparaît, ou une vidéo. Ce n'est pas fait pour rester sur votre téléphone. Avec les menaces à Facebook que vous avez bien sûr suivi, dont vous avez dû parler récemment, euh, puisque euh, pas mal d'ados sont en train de se détourner de Facebook pour utiliser des outils comme ça, exclusivement. Vous avez euh, évidemment WhatsApp qui est une, une application aussi énorme, et donc une modification de la manière dont on communique avec les, les messages courts, qui est nouvelle. Euh, on se demande parfois pourquoi elles existent, ces aplats, mais elles existent. Voxer, qui est un walkie-talkie aussi, euh, qui, euh, qui, qui marche très très bien, notamment sur les entreprises. Vous avez le, toujours le, le thème de Web Blond cette année, qui va revenir très présent cette année, bien sûr, l'économie partagée, collaborative, avec Airbnb. Uber aussi, parce que vous ne savez peut-être pas, mais sur Uber, vous avez une option, en tout cas à San Francisco, qui s'appelle UberX, et c'est vous et moi, pour 60 dollars de l'heure, qui faisons les taxis. Euh, et donc, vous dites, moi, je prends ma bagnole et euh, je concurrence les taxis. Bien sûr, ça va être parfait, parfaitement populaire à Paris, c'est pour ouais. ça que j'ai <laughs> fait en sorte de, de mettre Uber dans le programme très très tôt pour qu'on puisse en parler. Mais euh, Travis a un mur entier dans son bureau avec des, euh, des, des, des procès. De, de toutes les villes, mais Paris est très très bien placé dans le puisqu'on essaie de les rendre, de les bloquer avec 15 minutes de délai. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est carrément vous et moi quoi, qui peuvent conduire la voiture et devenir taxi, avec tous les problèmes que ça pose d'assurance bien sûr. Hein. Mais euh, en tout cas à San Francisco c'est le cas. D'ailleurs on s'est planté plusieurs fois en commandant, on n'a pas pris le bon et vous arrivez c'est Monsieur Tout le Monde qui arrive avec sa bagnole où est-ce que vous voulez aller et, euh, et en fait ce n'est pas un taxi. Euh, Lyft même chose. Euh, une autre tendance, c'est le donc solo, social, local, mobile s'applique aussi aux rencontres avec une application qui s'appelle Tinder, qui est fait en fait en fait par le leader euh, du, des rencontres euh, aux États-Unis, qui, euh, qui a Match et OkCupid. Okay, J'étais avec le CEO il y a 15 jours. Euh, ils viennent de lancer ça. C'est euh, entièrement géolocalisé sur votre mobile et euh, donc partout où vous êtes, ça vous dit autour. Un peu comme la même expérience qu'Hotel Tonight, euh, sauf que là, c'est pour les rencontres et il n'y a pas besoin de tout est localisé. La manière dont on paye avec PayPal qui revient, David Marcus, le CEO qui a lancé un concurrent de Square qui sera là à le Web cette année à nouveau, qui était là l'an dernier aussi. Avec évidemment la guerre entre Square très intéressant. Une nouvelle une nouvelle devise qui est Bitcoin. On a eu un panel à le Web Londres, on en refait un cette année parce que c'est euh, énorme, je ne sais pas si vous avez vu, il y a les 4 millions de dollars qui ont été perdus dans Bitcoin, de Bitcoin. le cours a triplé dans les, dans les semaines qui viennent de se produire, c'est vraiment un, un sujet assez, euh, assez intéressant savoir si ça va réussir ou pas mais il y a toute une industrie autour de Bitcoin qui est en train de se créer il y a une espèce de tech crunch de Bitcoin qui, est, qui a été lancé il y a des gens qui achètent des bitcoins comme investissement euh, j'ai quelques amis qui en ont acheté pour des centaines de milliers de dollars en se disant bah voilà j'ai ça euh, vous avez des gens qui euh, ferment des bitcoins comme vous savez il faut des serveurs pour construire cette monnaie enfin c'est assez fascinant euh et puis le, ce site qui a été fermé, c'est lui que je devrais avoir qui parle bien sûr, hein. mais euh, euh, comment ça s'appelle euh, Silk Road, merci. Euh, euh, C'était évidemment, de, vous pouvez acheter de la drogue et des armes et avec des bitcoins, euh, mais malheureusement je crois qu'il est, il a une, une, euh, il est en, en prison à vie, donc ça va être difficile de l'avoir, hein. même en Skype. <laughs> euh, J'aurais adoré. On a toujours évidemment des, euh, des, des marchés du passé qui sont euh, profondément modifiés. Avec euh, présent le web Rocket Lawyer, un peu plus euh, corporate, euh, eux ils se sont dit on va mettre en, on va, mettre en, euh, on va formater tous les documents standards des, juridiques. Donc exemple vous voulez lever des fonds, vous voulez, euh, euh, vous, voulez euh, euh, vous avez un accident avec quelqu'un, c'est vrai qu'on s'attaque moins ici mais là-bas on s'attaque, euh, et bien tout est en ligne par défaut. Vous n'avez pas besoin d'avocats pour les choses les plus standards. Et après, ils ont une marketplace d'avocats si vous avez besoin de plus. Euh, c'est le premier incorporateur, <laughs> c'est la première société qui crée des sociétés aux États-Unis. C'est Rocket Lawyer parce qu'ils ont pris le marché et il y a 300 ou 400 personnes maintenant. Euh, Pochmark, que vous connaissez peut-être, c'est euh, 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 votre euh, placard. Donc, les pompes Gucci que, dont vous ne servez pas, vous, enfin, votre épouse, vous les prenez en photo et quelqu'un d'autre vient commenter et les acheter. c'est une place de marché des, euh, de, de votre placard. Et ça cartonne. Euh, ensuite, une autre tendance qui est euh, toujours présente, mais très, très présente de plus en plus, ce sont toutes les sociétés qui disent « J'ai un, un, un but non lucratif, je fais attention à l'environnement. » Donc, comme Patagonia, comme Lululemon, ou euh, euh, REI et, et, et d'autres, où en fait, on dit il n'y a pas que le profit. Et euh, les startups le font de plus en plus. Vous voyez des startups qui se lancent en disant on va distribuer 10% de notre profit ou 5% de notre profit à des œuvres caritatives. Euh, autre grande tendance, c'est le, évidemment le, 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 le funding, les investissements sans les investisseurs, sans les capitaux risqueurs, avec Kickstarter et euh, Indiegogo, les deux grands acteurs, pour moi, il y a une, dans les dix prochaines années, on va avoir un flux considérable d'entrepreneurs, de millions de nouveaux entrepreneurs qui n'auraient jamais réussi à lever des fonds. Parce que les, les business angels standards ou les capitaux risqueurs euh, ne, ne s'y intéressent pas. C est, c est, ils ne sont, sont pas capables de lever des fonds avec eux. Alors que là, eh bien, comme la montre Pebble, vous allez et vous avez 10 millions de dollars de précommandes qui vous permettent de financer votre produit et vous n'êtes pas dilué dans le capital. Donc ça, c est, c est, je pense, que ça a l'air anodin. Encore, mais on va avoir des millions d'entrepreneurs nouveaux qui vont arriver comme ça parce que euh, ils rentrent pas dans les cases standards, mais ils vont lever des fonds de cette manière-là. Angel List, je ne sais pas si vous avez vu Angel List, c'est euh, une place de marché des business angels euh, et euh, vous pouvez activer ce qu'on appelle le syndicate dedans, qui est un truc qu'ils viennent de lancer avec euh, ici par exemple Dave Morin. Si lui il met 50 000 dollars dans une startup, il y a en fait un million de dollars qui le suivent. C'est ce qu'on appelle le syndicate. Et moi, je l'ai pas fait, mais j'ai des amis qui veulent mettre à chaque fois que j'investis comme un angel. Et donc, au lieu de dire, ben voilà 50 000, c'est voilà 50 000 plus tous mes amis, ça fait un million. Et donc, en fait, ce sont les angels, les business angels eux-mêmes qui concurrencent les capitaux risqueurs. En plus, ils avaient déjà Indiegogo et Kickstarter. Maintenant, ils ont des syndicats. En fait, ils vous aident à créer votre propre fonds, si vous voulez. C'est comme si je créais mon fonds de 5 millions de dollars, mettons, sans rien faire. Tout est automatisé. Je dis juste oui, ok, je peux syndiquer mes deals. Dès que je fais un deal. Euh, j'ai 20 personnes qui me suivent et j'ai des, des, pas mal d'amis qui me disent Mais fais-le, fais-le parce qu'on veut faire tout tes deals. On veut mettre 100 000 à chaque fois que tu fais un investissement dans une start-up. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que ça pose des problèmes de responsabilité. Après, si la boîte se casse la gueule, c'est moi qui, d'une certaine manière, recommandais cet investissement. Donc, je, je deviens vicie en fait. Mais c'est très intéressant en fait parce que vous, devez, vous pouvez créer votre fonds de manière automatisée. Encore pire, si j'ose dire, vous avez Upstart où là on investit chez les gens. C'est-à-dire que on dit euh, euh, je veux acheter du euh, je veux je veux acheter du, euh, euh, du euh, euh, qu'est-ce que je peux prendre comme, comme exemple du Dave Maureen ou du euh, euh, le patron de Critéo comment il s'appelle Jean-Baptiste Rudel merci et donc là il fait Critéo peut-être un jour il fera plus Critéo au lieu d'acheter du Critéo vous achetez du Rudel c'est ça en fait, euh, Upstart. Donc c'est un peu fou, et leur idée c'est de dire j'achète des actions d'un individu. Vous pouvez acheter du Loic Lomer, et, euh, et ça suit en fait à vie. C'est un peu fou, mais c'est assez intéressant. Autre tendance donc euh, révolution profonde de l'investissement en tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer ici. Euh, la manière dont on consomme, et je, je vais bientôt finir, hein. la manière dont on consomme euh, donc Good Eggs qui connecte les, les, les fermiers locaux avec votre assiette. Et donne une transparence sur le marché, c'est très très tendance aussi. Euh, Munchery qui euh, vous donne des plats euh, tout près de chefs qui sont livrés chez vous pour 20 dollars. Donc vous êtes, c'est un peu comme Uber, à nouveau cette expérience très facile. Vous regardez et vous voyez, vous avez des plats et euh, 12 dollars, 8 dollars, et vous, chez vous, c'est comme si vous aviez fait la bouffe toute la journée, euh, sauf que ça arrive tout près. Euh, même chose pour Eat Club. Et euh, aussi de la manière dont on, dont on fait des donations avec SamaSource ou Charity Water, euh, qui est très tendance. Euh, le e-commerce aussi, avec là, la, ré la révolution qui est en cours, c'est la, la connexion directe des euh, créateurs de produits, des designers, avec le marché, sans intermédiaire. Avec euh, la suppression de tous les intermédiaires, comme One, King One Kings Lane, qui crée ses propres lignes de meubles à la maison, euh, ou de décoration, comme Fab. Et il y a aucun intermédiaire. Du coup, on arrive à des prix qui sont très très sensiblement inférieurs et qui sont euh, très personnalisés. Même chose pour Etsy, que vous connaissez bien sûr, mais c'est une très très forte tendance. Le t-shirt que vous achetez, bah, il est unique parce qu'il a été fait par une personne et pas par euh, une marque. Euh, Bonobos, c'est assez intéressant aussi. Ce sont des gens qui voulaient acheter un des qui voulaient des pantalons euh, qu'ils trouvaient pas, le style qu'ils voulaient, ils les trouvaient pas. Et donc, euh, ils ont été créés eux-mêmes, leur ligne de pantalons en Chine. Ils les ont mis sur un site et c'est aujourd'hui un vrai mouvement autour d'eux euh, euh, de, 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 de vêtements qui sont directement créés en Chine sans aucun intermédiaire sur le site. Et du coup, avec des prix, euh, des prix euh, très très bas. Ça, c'est des vintage clothes. Donc, c'est euh, une personne qui s'est aperçue qu'il y avait une, une très forte demande. Vous allez dans ces magasins, vous achetez des vêtements qui sont anciens. Euh, ou look ancien et euh, à chaque fois qu'elle mettait ça sur eBay ou sur des sites pour le vendre, il y avait une telle demande qu'elle de créer, de créer, créer des reproductions en Chine de, de, de vêtements qui sont vintage. Et euh, donc c'est un site entier maintenant où vous achetez des, des vêtements qui sont produits directement euh, et euh, aucun intermédiaire. Très très forte croissance aussi. La manière dont on achète, je l'ai mis ici parce que ça me paraît intéressant avec l'IPO de Criteo, on l'aura évidemment sur scène, mais la manière dont on achète le média et la publicité avec Trigit, qui est le concurrent américain de Criteo, qui n'est pas encore public, qui sera probablement public dans les 18 mois, et Criteo. Et je crois que c'est une tendance très intéressante de, de enfin vous savez ce qu'est Criteo, mais de, de, de personnalisation du contenu marketing. Euh, nouvelle, c'est une nouvelle forme de publicité, ces deux sociétés-là sont les deux leaders et évidemment je suis très fier qu'on ait une société cotée qui soit française. Enfin, grande tendance, le design en général, avec quelques acteurs que j'ai mis là, mais c'est juste qu'on voit de plus en plus des startups qui se créent avant, vous aviez un business guy, un entrepreneur, et vous aviez un, un créateur, un, un, un directeur technique, c'est classique. Maintenant, si vous n'avez pas de designer dans votre équipe, les, les investisseurs vous le disent. C'est très 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 tendance d'avoir un designer comme Yves Behar ou John Maeda, ou euh, ici c'est Mailbox, l'app euh, avec Elie Luna sur, euh, sur iPhone, euh, Josh chez Twitter ou euh, Johnny Manzari chez Apple. Vous avez même des investisseurs qui créent des programmes entiers avec des designers. Tout ça c'est des designers qui sont les, les fellows euh, autour du, euh, du design, euh, et pour aider les startups hein, en disant le design c'est absolument essentiel. Ici, vous avez un designer fund, euh, même chose, qui sont des startups dont les co-founders sont des designers. Euh, et, et, et il y en a un très grand nombre qui ont, qui ont réussi. Et vous avez même des gens comme Facebook qui rachètent carrément des boîtes de design. Ce qui est ici un exemple que j'ai mis comme Hot Studio, pour montrer que le design est devient de, de vraiment très important. Enfin, avoir des choses faites par les autres, comme TaskRabbit, qui est toujours une tendance, c'est-à-dire vous. Vous sous-traitez en fait tout ce que vous voulez. Euh, J'avais un ami qui voulait un costume pour Halloween, il bosse chez Google, et vous allez là-dessus, vous dites bah, Tiens, va m'acheter le costume Halloween, il arrive le soir même chez vous, et vous n'avez rien fait, ça vous a coûté 30 dollars. Munchery, au lieu d'aller faire à bouffer, vous, vous allez euh, directement avoir ça. Voilà, quelques tendances, Alors, on ne les aura pas toutes, mais il y en aura d'autres, à le web aussi. Et puis maintenant, rapidement, le, euh, le programme. Moi, je suis très fier qu'on ait Fred Wilson, si vous ne le connaissez pas, euh, ça c'est en ligne hein, déjà sur Internet, et si vous voulez le code Wi-Fi, euh, il est, il est, vous l'avez sur vos tables. Sur vos tables voilà. euh, Fred Wilson, il avait revendu GeoCities à Yahoo pour quelques milliards déjà en, il y a 10 ans, donc ce n'est pas sa première, euh, c'est un, un mythe dans la Silicon Valley, moins connu en Europe, mais c'est vraiment un mythe. C'est le premier investisseur dans Twitter, c'est la première personne qui a fait le chèque dans Twitter. Si vous lisez d'ailleurs le bouquin sur Twitter que je vous recommande, qui vient de sortir de Nick Bilton, il y est présenté comme le, le, la seule personne qu'Evan Williams a vraiment voulu. Il est, euh, il est aussi euh, blogueur, euh, c'est probablement le, c est, c est le VC le plus lu, et, et il est assez rare sur scène, y compris dans la vallée, donc on est très content de l'avoir. Euh, il n'a pas pu résister à venir à Paris. Ensuite, vous avez Guy Kawasaki, qui est un... Euh, euh, enfin, vous le connaissez, évidemment, qui, est, euh, qui va discuter de l'avenir avec, avec nous. Euh, Phil Libin d'Evernote, le CEO d'Evernote. Travis Kalanick de Uber. David Marcus, Paypal. Je vais aller vite. Michael Sipil le patron de produits de Twitter, qui va, qui va parler justement de design, de simplicité, où va Twitter, surtout dans le, dans le cadre de la IPO. Euh, Satya Nadella, qui est le, un des pressentis futurs CEO de Microsoft qui est en shortlist, et qui est le patron de toute l'entreprise. Donc, on va parler d'entreprise. De, Évidemment, on essaie toujours d'avoir du contenu B2B aussi. Parse, qui a été racheté par euh, Facebook. Euh, Jeremiah Oyang qui va parler de l'avenir, que vous connaissez, qui est un, un grand, grand fan de, de le web, qu'on est ravis d'avoir. Tony Codrad, About Me. Euh, on a un chef, cette année, Ferran Adria, de Elbouli, qui va venir et qui est... Euh, euh, Ferran Adria, qui, est, euh, qui avait créé le resto le plus connu dans le monde et qui lance euh, une initiative qui s'appelle la Boulipedia, et c'est une encyclopédie culinaire pour les grands chefs en le mettant open source. Ensuite, on a euh, Nick Daloisio, qui, le, le, qui a vendu sa boîte à Yahoo pour 30 millions de dollars à 17 ans, euh, qui est en anglais, sera sur scène, qui va nous parler de Yahoo, bien sûr, et surtout comment on crée une boîte et qu'on la vende 30 millions de dollars à 17 ans. Ensuite, le panel Bitcoin, dont je parlais tout à l'heure. Euh, euh, et euh, Henri Sédou dont, dont je suis personnellement très, très fan, qui va nous parler des objets connectés et de, 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 de ce qu'il va, qu va préparer. Euh, et ensuite, on va avoir le panel sur les investisseurs, euh, avec Axel, August Capital et Wellington. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, euh, on va avoir un, une personnalité dans les réseaux sociaux qui s'appelle Ramon de Leon. Puis euh, Tony, Tony Tian qui va nous parler. Il y a pas mal de futuristes que vous ne connaissez pas forcément qui sont là, mais dont je sais, on va voir, hein, mais qui ont des, des, euh, des, 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 des interventions sur l'avenir sur qui me paraissent assez intéressantes. Donc Tony va présenter euh, quest ce qu'elle est l'ADN quel pour être entrepreneur Et, et comment on s'adapte, notamment avec ces nouvelles sources de financement dont j'ai parlé. Ensuite, le cloud, toujours là. Euh, ici, avec Amazon, Ubuntu et Hytale. Ensuite, on a George Colony qui avait fait un, un, une intervention, le patron de Forrester Research Monde, qui avait fait une intervention très, 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 très polémique il y a deux ans en disant que les réseaux sociaux c'était euh, bullshit. Et euh, il avait eu euh, des milliers de, de, de tweets et de, évidemment il avait été très provoquant. Un coach en communication, Carmine Gallo, qui avait fait un carton il y a quelques années. Comme ce sont les 10 ans de le web, on a réinvité des speakers qui nous avaient beaucoup plu. Lui, il avait fait les Presentation Secrets of Steve Jobs. Comment présenter comme Steve Jobs On avait dû lui donner un workshop après, tellement il avait eu de succès, les gens ne pouvaient pas rentrer dans la salle. Tony Fadel, le patron de Nest. Ensuite, on a Chris Daniels, qui est un des patrons de Facebook pour le monde, qui va discuter de la stratégie de Facebook. Euh, euh, bien sûr, Stéphane Richard, euh, pour voir le rôle des telcos, Gary Vaynerchuk qui est euh, Gary V, qu'on ne présente plus non plus. Euh, ensuite, j'ai mis une session, parce que vous savez que je suis fou de, vous savez pas, mais je suis fou de kitesurf, donc avec euh, une petite session sur le, le sport, dans le, la méditation, le sport, ça c'est la session euh, aventure. Donc euh, ici, on a le champion du monde de kitesurf, qui va venir expliquer euh, comment il intègre la technologie. et et comment il s'intègre. Ensuite, vous avez les deux créateurs de Headspace, cette application de méditation que je vous recommande absolument, même si vous pensez que c'est ridicule, parce que c'est une science. Euh, Ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, comment dire, spirituel. C'est vraiment une science. C'est comme ça que c'est vu, en tout cas là. Et on va méditer en ligne avec euh, 3000 personnes dans la salle. En ligne, en vrai, dans la salle. Euh, Dina Kaplan, qui est, euh, la, euh, qui est une serial entrepreneur et qui va venir expliquer comment elle a pris un an sabbatique. Donc, on est toujours dans cette session un peu... Aventure autour du monde et ce qu'elle a pu euh, apprendre. Brian Solis, qui est euh, très connu bien sûr sur l'entreprise et les réseaux sociaux, qui va faire un, une intervention euh, euh, sur l'avenir et les dix prochaines années, notre thème. Bradley Horowitz, patron de Google, euh, qui va venir nous expliquer comment Google euh, évolue dans les réseaux sociaux. Scoble, qu'on ne présente plus, qui vient de créer un bouquin sur l'avenir aussi. Robert Scoble. Euh, ensuite, on a toute une session sur les incubateurs hardware euh, avec Brady Forrest, qui est le patron de Highway One, qui est un tout nouvel incubateur sur, les, sur, le, sur le hardware. <laughs> et puis que des démos là. Donc pas mal de démos qui suivent sur euh, les objets connectés, euh, Fitbit, euh, et puis des Français, Netatmo, Fred Potter, Rafi Aladjian de Sensei, Jamie Siminoff de, de, du Doorbot que je vous ai montré. Euh, et puis Alexandre Moldovan qui va faire un, 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 aussi un, un talk sur l'avenir de l'entrepreneuriat. Le lendemain, dernier jour, j'ai presque fini l'avenir de la télévision avec le patron de euh, France Télévisions Bruno Patino et le patron de tout l'internet et du digital chez CNN. Euh, on va avoir euh, un Ramez Nam, qui est un, un futuriste et scientifique qui travaille à Singularity University. Vous savez, c'est l'université où, euh, où Ray Kurzweil vous explique que vous allez pouvoir télécharger votre cerveau dans 10 ans dans une machine. Euh, donc là, on va pas mal rêver, je pense. J'ai vu le talk, ça va être assez incroyable. Un panel d'influenceurs euh, qui sont des femmes, qui va être modéré par euh, Géraldine avec euh, euh, des intervenants de euh, Maëlle Gavet, par exemple, qui est la patronne de Ozone en Russie. Ils n'ont qu'à que des femmes, parce qu'on n'a pas assez. Donc on est très content de les avoir sur le programme. Et puis euh, James Currier, qui, euh, qui, qui va parler de, des network effects. Vous savez, quand vous lancez quelque chose, comment ça se propage sur les réseaux, notamment les réseaux sociaux et qui est quelqu'un assez peu connu non plus, ce que j'essaie de faire tous les ans, vous avez des gens qui ne sont pas forcément connus, et qui a un tout petit groupe de travail avec les créateurs de Twitter, de Facebook, c'est vraiment tout petit, euh, et qui est l'expert à mon avis mondial là-dessus. Hugo Barra, qui était l'ancien patron d'Android, qui est chez en Chine maintenant, son départ a fait très très grand bruit chez Google, et euh, qui va nous parler de la Chine. Marc Simoncini qui va nous parler de ses lunettes et de ses euh, lentilles et comment il disrupte ce marché, en bon français. Et on est presque fini. On va avoir Marco Tempest, qui est un magicien qui était venu il y a deux ans, qui a parlé à TED, qui est extraordinaire, qui nous présente de la magie, de la technologie à nouveau. Et puis Jean-Baptiste Trudel, évidemment, avec le succès de Critéo, juste avant Fleur Pellerin, qui va nous donner un update sur le, ce que fait la France en, la matière, de, en matière de technologie et de start-up. Et puis ensuite, lorsqu'on a fait une nouveauté cette année, on a les trois start-up gagnantes de l'an dernier de le web. Qui ont toutes été financées, qui vont venir faire cinq minutes chacune pour nous donner une mise à jour. Et elles ont toutes été financées, ce qui est notre fierté, bien sûr. Et la présentation des concours de start-up avec nos juges classiques. On a eu 400 ou 500 candidats cette année encore. 700 candidats cette année. Et on va en présenter 16, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde sur scène. Euh, autre chose qui sera annoncée dans quelques jours, c'est le programme dans la deuxième scène sur les marques, avec un programme très intéressant sur les, euh, toutes les marques digitales, euh, qui est plutôt que pour le contenu pour les annonceurs euh, et pour les professionnels, qui sera, euh, qui sera présent, puis toutes les startups qui présentent. Voilà, j'étais un peu long, j'espère que je n'ai pas été trop long.